respectable et très bien vu sur la place. Enfin, ce qu'on appelle respectable, alors. Annie Girardot, Lino Ventura, vous êtes les deux personnages que ce règlement de compte entre deux frères d'une grande famille vient troubler. Ce règlement de compte vient perturber leur existence qui jusque-là était sans histoire. Je sais, Annie Girardot, que vous aimez beaucoup ce film. Est-ce que vous pourriez me dire ce qui vous a plu davantage? Je l'aime beaucoup, enfin, je l'ai lu, je ne l'ai pas encore vu, mais j'ai aimé beaucoup le faire parce que c'est une histoire qui m'amuse, parce que c'est une histoire très simple, humaine, gentille. Et vous aimez beaucoup ce genre d'histoire? Eh oui, je trouve, en tout cas, en ce qui me concerne, j'aimais beaucoup mon petit personnage qui était un petit peu insolite, et je dois dire que le couple est assez insolite. Et puis j'aimais aussi, par-dessus tout, tourner avec Lino. C'est la première fois que je te dis ça, mais c'est des choses qu'on... Il est difficile de dire, mais j'avais très envie de tourner avec lui parce que c'est une personne qui me plaît, parce qu'il est vrai, parce qu'il est authentique. Et voilà. Et voilà, c'est déjà pas mal. C'est la minute de vérité, si je vous comprends bien. Vous aimez les gens vrais, les gens authentiques, et je crois que vous êtes bien tombé en ce qui concerne Lino Ventura. Et vous-même, est-ce qu'il y a longtemps que vous connaissiez Annie Girardot comme comédienne, vous voyez ses films régulièrement? Oui, il y a très longtemps, j'ai tourné une première fois avec Annie. Ça c'est vrai, on a même tourné deux fois, mais on ne s'est jamais rencontrés. Non, il y a combien? 4 ans? Oh, je ne sais plus, oui. Et je crois que ça couvait depuis un moment, je crois que l'un comme l'autre, on avait très envie de tourner ensemble, c'est vrai. Ce qui est intéressant pour vous, Lino Ventura, c'est que vous sortez des personnages de bagarreur, il y a un moment d'ailleurs que vous en êtes sorti, pour accéder à des personnages ayant une densité humaine, une profondeur et une chaleur humaine. Est-ce que vous êtes vraiment conscient de cette transformation de votre personnage? Oui, plus que conscient, parce que je l'ai quand même un peu voulu aussi.